Ouais, on peut commencer. OK, donc, bien-aimé, bonjour. C'est un privilège pour nous ce matin d'être à la table du Seigneur. Vous savez, la Sainte Cène est notre repas d'alliance. Le Seigneur lui-même n'a-t-il pas dit, prenez ceci en mémoire de moi? Alors, nous ne serons commencé ce programme. Nous ne serons commencer ce moment sans lui recommander toute chose, sans lui demander de venir et de prendre la première place au milieu de nous. Alors, à cet effet, je voudrais que tu puisses baisser la tête. Nous allons tout simplement prier. Seigneur mon Dieu, éternel, nous te bénissons ce matin. Nous te rendons grâce, Dieu de gloire, éternel des armées, pour tout ce que tu fais dans nos vies. Merci pour la force, merci pour la vie. Merci, Éternel des armées, pour toutes les batailles que tu mènes jour et nuit pour nous. Merci pour le privilège que tu nous donnes ce matin de prendre part, Seigneur, à ta table. Nous voulons, ô Éternel, te demander de nous pardonner car nous reconnaissons avoir péché d'une manière ou d'une autre contre toi. Pardonne-nous, Seigneur, lave-nous par ton sang, purifie-nous, afin que nous soyons sans tache ce matin, afin que nous soyons irrépréhensible et sans reproche. Remplis-nous de ton esprit, ô mon Dieu, parce que sans ton esprit, nous ne pouvons rien faire. Nous voulons te recommander ce moment, nous voulons te recommander, Seigneur, garde les France pour la louange. Nous voulons te recommander, Seigneur, tous qui avions participé à cette rencontre, Seigneur, afin que tu prennes le contrôle, afin que, Seigneur, le pain, Seigneur, le ton corps et ton sang que nous allons prendre puissent non seulement nous fortifier par rapport aux difficultés de la marche chrétienne, mais que nous puissions aussi recevoir, ô Éternel, la guérison. Nous voulons donc sceller toutes choses dans le sang précieux de Jésus, prendre le contrôle total et absolu. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Je laisse la parole à Carl et à France. Amen. Amen. Premièrement, je vais mettre ma première page. OK. Ce matin, il y a deux chants de louange. On n'a pas les paroles parce que je ne peux pas le gérer tout en même temps, là. Mais je vais dire le nom des chants. Et ben, c'est deux chants nouveaux. Donc, on propose cette louange à l'Éternel. Et on prépare, on dispose nos cœurs pour te recevoir, Seigneur. On dispose nos cœurs pour te recevoir à travers cette louange, à travers cette prédication aussi, Seigneur. Que nous soyons disposés, Seigneur, et que nous déposions pied à croix ce matin. Tout ce qui voudrait nuire à notre disposition d'âme, d'esprit, de corps, pour louer ton nom et pour recevoir la parole. Donc, le premier chant, c'est J'élève un Alléluia qui explique très bien, dans le fond, la marche chrétienne qu'on doit toujours rester dans l'espoir, dans la foi que Dieu est là, qu'il agit, qu'il est dans la commune d'attente de l'Église. Même dans les pires moments, même si on ne sent pas, on reste dans la foi qu'il est là avec nous. J'élève un Alléluia
larme est une mélodie. Tu lèves les cieux, tu t'en vas pour ma vie. En présence de mes ennemis. Tu lèves ma clé, le doux qui m'envahit. Mon arme est une mélodie. Accorde-nous de toujours élever un alléluia, sachant que tu agis dans le silence, mais que ton action est d'une puissance incroyable. Accrochons-nous à ta parole. Chantons, chantons devant nos ennemis. Alléluia, et dansons pour toi aussi. Écoute Israël, qui est la première partie en français, la deuxième en hébreu. Et c'est les mêmes paroles en hébreu qu'en français. Le Seigneur est grand.
Merci Seigneur, touche nos cœurs. Sois glorifié, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen.